Et salut à tous, c'est Serator pour un épisode un peu random sur Genshin Impact, en compagnie de Ico et Poro qui font autre chose à côté. Bonsoir. Non. JPP. Donc Hello. aujourd'hui. Hello, hello, hello. J'ai envie de m'intéresser au système de graines un peu là. Et on verra après ce qu'on fait au fur et à mesure. Ce sera un petit épisode 45 minutes, 1 heure, je pense. Où on va faire un petit peu de balade, de secondaire, de... voilà, d'exploration. De Inazuma. Zemardi. Eclipso qui dit, elle a un passif qui donne des dégâts électro en fonction de sa recharge d'énergie. Du coup, go faire le donjon d'artefact. Ouais. Mais du coup, Baal s'éveille maintenant directement en dégâts électro, et non plus en recharge d'énergie. Mais regarde, au pire, sur ma Mona, j'ai déjà commencé à mettre des artefacts. Déjà, elle a le set complet. Mais bon. La seule pièce qui est intéressante, c'est celle-ci. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre ça sur Baal? PV 8%, c'est un peu sale. Hein. L'idéal, ce serait de choper encore plus d'auto critique pour monter à 8. On verra en temps voulu. Et après, ouais, auto crit sur le casque, ouais, j'en sais rien, j'en sais rien. C'est pas très très beau, ça passe, mais c'est... Si ça proc full dégâts crit, ouais, c'est cool. Et après, là, je sais plus ce que j'ai, auto crit attaque, ça manque de dégâts crit. Hein. Donc ouais, ça... Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Michel pour... Oh, des graines accro. Des graines à sanglots. Yeah. Bah du coup, Zénith, t'en parlais, les... t'as vu? T'as des graines, mais faut quoi? Faut plusieurs jours pour que ça pousse, j'imagine. Planter de l'herbe. Yes. C'est dans une théière. Une théière? Vous moquez pas de moi. Ouais, d'accord. Le mec me croit pas. Ok. Je vois. Alors comment ça marche après? Genre tu vas dans la nature et tu convertis une plante en graine? Je comprends pas. Faut qu'on retourne voir Madame Ping. Ok. Cette joie de scroller la map comme ça. Sayu, elle va se jouer en quoi? Elle se joue attaque pour son heal. Sachant que si tu la C6, sa maîtrise élémentaire... lui donne un bonus de heal également, mais bon, c'est vraiment pas au petit, je pense, de focus la maîtrise élémentaire sur elle. Donc c'est un healer attaque. Un peu comme Kiki, un peu comme Jhin. Salut Helvétique. Elle manque de... Oui, Eclipso. Mais le donjon, je l'ai fait genre 3 fois. Hein, après, le problème, c'est que moi, je me suis pas trop spoil le gameplay de Baal et tout est quanti. Je sais pas si, ouais, si c'est mieux de la jouer vraiment main DPS ou super jeu support, un peu comme un Venti ou un Zhongli où t'as pas besoin d'avoir des stats de gros bourrin pour qu'elle fasse le taf. Sayu égale Kiki. Et oui, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'au pire, ma Kiki, elle a quand même des artefacts potables. Et c'est vrai que Kiki, je crois que c'est le perso 5 stars, je sors le moins avec Mona maintenant. D'ailleurs, je suis parti trop loin, what the fuck. Allez au Kiki. Chichi! Regarde, elle a déjà attaque et soin, donc elle a déjà ce qu'il faut. Donc au pire, je piquerai ça. Les enfants, vous êtes là pour me voir? Non, je veux planter des graines. On s'en fout de toi, Madame Ping. Ce n'est pas impossible. C'est un petit monde. Seulement, vous n'avez apporté que ce paquet de graines aujourd'hui? Vous n'allez pas planter que ce seul paquet? Ok. Donne-nous ta boîte, là, ta boîte magique. Mais c'est quoi, c'est un accessoire? Ah, elle nous la donne. C'est vraiment sang, Madame Ping. Elle nous a fait tenir sur 2 mises à jour. Avec sa théière. Alors, on va essayer, on a des trucs à côté, là. Ok, bon, la crête est... la crête, what the fuck. La quête est pas très longue. Donc, genre, tu vas là... Tu prends la machine à graines là, qui est déjà équipée. Ah, tu récupères quand même la ressource. Oh bah c'est cool. D'accord, je pensais que ça faisait tout disparaître. Ah bah non, c'est très bien en fait. D'accord. Donc moi ce qu'il faudrait que je focus quand même, c'est... Herbe à sanglots, ça peut servir.
herbe à sanglot. Bah là, en l'état, c'est tout ce qu'il me faut. Après, ce qu'il y a, c'est que pour les succès aussi, il faut le mettre sur tout type de ressources, donc il me faut aussi un truc aquatique. Parce que là, j'ai que du vert, il me faudrait un truc ici. Genre les carottes, on va aller prendre des carottes. Les herbes à sanglots, si je peux t'embêter, Zénith, tu sais où elles sont ou pas? Du coup, tu voulais les prendre, mais j'en ai besoin en fait. Après, je suis passé pour Oiko, vous voulez ouvrir. Ils ont l'air d'être partis, RT. Hein? Tu récupères les plantes et la graine. Non, il y a Zénith qui demandait d'avoir des herbes à sanglots. Je sais pas si vous en aurez besoin. Et si vous voulez bien ouvrir ou si vous avez la flemme, je sais pas. Bah, moi je veux bien, mais après, c'est ni que je finis ma quête, et si après t'en as encore besoin, je veux bien. Ah. Ça me dérange pas. Du coup, on a dit des carottes. Des carottes, il y en a. Au domaine de l'aurore, il y en a beaucoup. On va aller faire ça. Très viable en main DPS. Mais tu prends Zhongli. J'étais. Parce que je le rejoue un petit peu là. Je l'avais mis de côté quelques semaines. Avec le fait qu'il soit passé 10. Mais il fait déjà des bonnes auto-attaques. Hein. Donc. On a des champignons aussi. Ah, j'avais peur que les graines ce soit chiant, mais en fait. Non, ça ne devrait pas être trop chiant. Bon, ça marche pas avec les baies. Ok. Les carottes, elles sont plus là-bas. Après, un petit astuce hein, si vous avez besoin de noyaux cristallins ici, c'est une très bonne zone à farmer tous les jours. Il y en a déjà 3, 4, 5 en haut là qu'on a vu. Et t'en as 6 ou 7 en plus là dans les vignes. Hop. N'est-ce pas Poro, farmer un petit peu les noyaux cristallins de temps en temps. C'est important pour faire des condensés. Comment? J'en ai plus de 60 wesh. Bah oui, mais j'en ai ramassé un petit peu Poro quand même. Bah. Je crois que t'en avais genre une trentaine. Non. D'ailleurs, oui, demain t'es pas là, faudra que je farme sur ton compte, c'est ça. Bah oui. Juste quête annexe. J'ai pas compris, tu parles très doucement. Juste quête annexe. Quête secondaire, tu veux dire? Quête quotidienne, putain, je suis pas vrai. MTC. Pour où tu peux parler, arrêter de parler comme Fiasco? Merci. J'ai dit t'es MTC. Oulek. Dixit. Elles sont où les carottes? Là, je suis perdu. Ah non, elles sont par là, les carottes. Bon, ils sont pas tout à fait ici. Là, il y a du navet, je crois. Du radis, c'est pareil. Même combat. Est-ce que ça marche avec le blé que j'ai ramassé, là? J'ai pas l'impression. Non. Du coup, les carottes, il y en a en masse là-bas. Il y en a un petit peu là, et il y en a derrière la maison aussi. Si vous voulez ramasser pas mal de graines dès le début, c'est plutôt cool. Et en plante aquatique, il me faudrait quoi là? Ah, queue de cheval! Surtout que c'est dans des recettes maintenant. Queue de cheval ou herbe marine, je sais pas. Queue de cheval, il y en a un petit peu. Allez, oui, mais alors. À côté de la statue des sept, je sais plus. Mais des tombées. Ouais, les tombées parce que tu les ramasses par 4. Après, non, mais Zenik, je suis pas du tout pressé hein, pour ce genre de succès. C'est là qu'il y a des. Oui, c'est là qu'il y en a, je crois. De la menthe, ça marche. Yes. Il y en a un petit peu. Parce que ça, c'est une ressource qu'on récolte jamais en général. Parce qu'elle sert à personne en vrai. Je crois pas. Genre, il y en a une. C'est quoi cette zone? Vous voulez quoi, vous? Ça, faites pas des malignes. Ouais, on va pas aller chercher très loin, s'il y en a un petit peu. Alors ça, quelqu'un sait à quoi ça sert, là, les trucs de loche, là? Non, il est parti dans l'eau. Fuck. Ils s'en vont tous! J'ai tout raté. Je sais pas à quoi ça sert. Ça donne des petites boules, mais je sais pas ce que t'en fais des boules. Ouais, bon, on va en ramasser un petit peu, c'est l'essentiel.
Les algues, où est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en aurait pas genre... Là, j'en vois bien ici. Au pif, hein. 4 noyaux cristallins. Ouais, d'accord, Eclipse. Tu fais comment quand tu veux faire des donjons? Oh, même ça peut servir. Tu peux pas faire de graines avec les... avec ça? What? C'est nul. Ce qu'il en faut pour Sarah? I don't know. Il n'y a pas d'algues marines, hein, je vais pleurer. Pourtant, ça m'avait l'air d'être parfait ici. Je suis la déception. La déception. Ils font quoi, eux? Ils s'entraînent? Ils sont deux. On va se soigner. Je te soigne pas, Michel. C'est pas chier. Merci. Hop. C'est les gardes-mains pour eux dont t'as besoin pour aller avec là. Ouais, c'est ça. Ah, un spot à cristal. Ouh, faut que je le note celui-là. Hop. Là, on trouve des trucs. Le sang. Pour crafter des nouvelles armes. Il y en a besoin. Améthyste. Je crois. À la base, je voulais des herbes, des algues en fait. J'en ai pas trouvé une seule. Le sang. Le sang de la veine. Et les herbes à sanglots, j'arrive pas à savoir. Mais. Les algues marines, il n'y en a pas normalement tout autour de la map, j'arrive pas à en trouver quoi. What the fuck? C'est pour Sarah ça? Ok. Bah, comme j'ai. Ouais, si je la chope, je la montrerai. Je vais pas forcément la focus, je pense. Si c'est vraiment sur la bannière de balle, je suis pas sûr d'aller chercher beaucoup de Sarah. Hein. Peut-être une histoire d'avoir le perso, mais. Alors, il risque de lui faire de l'ombre pour moi. J'ai pas trouvé une seule arme. Oui, il y a un PNJ chelou là-bas. Est-ce que vous avez déjà parlé au PP qui a la même posture que Juzo, avec les mains dans le dos? Tellement. Non, je sais plus. Je sais pas, il est tout seul sur une île. Qu'est-ce qu'ils veulent eux là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Dehors la rocaille. Bon, j'explore vraiment au pif. Hein. Utsumi? Pourquoi il y a quelqu'un ici? Êtes-vous une personne vivante ou un fantôme? Vous êtes aussi en vie? Alors s'il vous plaît, aidez-moi à chercher quelque chose. Ça fait rien dire, monsieur. T'as travaillé chez Google Trad? Qu'est-ce que... Mon fils est un Morai de Shogunat. Il a combattu ici une fois, et il... Oh, ce n'est pas correct, je me souviens maintenant. Je ne suis pas ici pour mon fils, je suis ici pour les objets personnels qu'il a laissés derrière lui. Il est mort au combat, donc il a probablement laissé des reliques derrière lui. C'est pourquoi je suis venu ici pour les chercher. Ok. Mais c'est une quête? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah, les tombes, Ico! Tombe simple. Quoi? C'est pas ce que tu disais avec Juzo, là, l'histoire des tombes? Moi j'ai croisé 3 tombes où faut mettre des fleurs, ouais, mais Juzo il m'a dit qu'il fallait le faire le même jour. Ouais, ouais, parce que là j'en ai une et du coup bah je crois que j'ai trouvé son grand-père, enfin son père. J'ai oublié. Aïe. Super, merci le jeu. Putain de jeu de mort. Je me prends un éclair dans la gueule. Ça a validé ou pas? Je me suis fait éjecter avant là. Ouais, c'est bon. Tu te rappelles pas où elles sont par hasard les tombes? Voilà, pas du tout. Bon, on a trouvé une au pif. J'ai croisé les 3 en explorant, donc je m'en rappelle plus. Et les herbes à sanglots, elles seraient pas dans la forêt de Shinju? Je sais pas. Je suis vraiment pas sûr.
J'arrive pas à... Oh non, mais... Protocolus, laissez-moi, je suis en exploration. Je sais que j'ai encore 3 milliards de trucs à faire. Calme-toi, le jeu. Je savais. Je ne travaille pas. Non, mais j'arrive pas à les resituer, ça m'énerve. J'avais chopé quelques-unes. Pour autre, tu sais pas où sont les herbes à sanglots? Là, j'en trouve parfois quelques pas pendant que j'explore, mais de là dire où est-ce qu'elles sont. T'as pas, oui. Tu les as pas associés à une région. Tant Sûrement la deuxième île. C'est plus la Parce que deuxième, ouais. la troisième île, c'est d'autres plantes. Je sais pas, moi je le voyais par là, je sais pas trop La pourquoi. première île, c'est la première île, c'est les fleurs cerisées. Ouais, mais Ouais, la c'est la deuxième, deuxième. l'exploration, Starfall là, quoi. Pardon? Moi, j'en sais rien. Il y a 5 tombes en tout, nous disait Nick. Moi, je vais skip Sayu. Non, je sens que je vais drop Yumiya et Flemme. De quoi, Eclipse? Qu'est-ce que. Le spot sur la play. Attends. Je check juste si j'en vois. J'en veux juste une, rien que pour en planter une en fait. Je regarde juste si la théorie avec Poro est plutôt juste ou pas. Putain, il y a peut-être des spots d'artefacts là. Ouf! Faut que je me rappelle ici, là, sur le camp. Faut qu'il y en ait au moins deux. Parce que s'il y en a juste un, flemme. Ouais, bah je crois qu'il y en a juste un. Je crois qu'on va devoir consulter l'aide de Zenik. C'est quoi ça? Ah non, il y a masse d'artefacts là en vrai, d'accord. Je vais le noter ça aussi. Hop, c'est les petites étoiles. Enfin plein, un petit peu quoi. On va flemme de le fight. Attends, c'en est? Non, c'en est pas. Monsieur? Vous avez vu des. Non, j'ai pas. Hop, ça dégage. Dur la racaille. Ah, mais c'est des armes. Moi, je préfère les artefacts que les armes, le jeu, en fait. C'est pas grave. Ikoyu, comme dirait. Kekin. Ouais, on va regarder le message de Zenik car je n'en trouve pas. Je ne sais pas où c'est. Alors, notre cher Zenik national. Afficher l'image. Attends, quoi? Ah, donc c'est vraiment dans la première zone autour du cerisier? What? Donc la théorie avec Poro était plutôt fausse, du coup. Et oui, Poro, c'est apparemment à côté du cerisier. Ok. Alors, par contre, ouais, j'ai pas retenu les spots. Hein. Donc, je descends au pif et on voit si j'arrive à en choper. J'ai peut-être pas pris le bon truc. Ah, ou c'est là où il y avait les trois esprits, là. Quand tu commences le truc de purification. Bah non, c'est du cerisier. Zenik. Attends, quoi? Peut-être pas en train de partir du bon côté là. Oh, ça a disparu. Comment regarder les messages sur. Au secours. Je veux afficher les messages. Oh là 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 là. Le hall de la zone derrière le temple. C'est pas là où je suis là? Donc, je reviens un peu en haut. Là là? Ah oui! GG Zenik. Merci bien. Ok, je vais en prendre au moins deux. Non, je suis pas avec Kazuha. Je peux en avoir au moins une deuxième. Hop. Et on va essayer d'aller planter ça, du coup, dans la théière. In the théière, comme disait les jeunes. Il y a deux images. Oui, non, mais t'inquiète, c'était juste pour en trouver un petit peu. 5 tombes pour un coffre. Bah tu dois avoir peut-être les deux, le coffre et succès. Du coup, on va stepper là où j'ai mes champs. Hop, c'est par ici. D'ailleurs, on a eu un plan gratos. Enfin, un truc de plantation. On va poser, tant qu'à faire.
Je crois qu'il faut 60 de chaque sorte ou 40, je sais plus. Alors, comment ça marche? Donc là. En vrai, c'est bien parce que tu peux même replanter des plantes sucrantes. Nico, tu devrais le faire. Hein. Par contre, 3 jours. Oh. C'est insane. Et par contre, quand tu les récoltes, tu peux à nouveau ramasser les graines? Je me pose la question. En vrai, ça va. C'est pas une mécanique trop chiante. C'est que du bonheur, que du bonus. Du bonheur. De fait. De rien. Donc il y en a combien, Zénik? Une vingtaine? J'ai pas compté. Du coup, on va en profiter pour relancer tout ça. S'acheter quelques parchemins. J'espère que Poro pense à le faire aussi, n'est-ce pas? De quoi? Récupérer tes pièces. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, attends, moi j'ai encore ma résine. Ah oui, je l'ai même pas cramé, j'ai encore ma résine éphémère, ok. Bon, on verra ça plus tard. Ok, donc ça c'est fait. Très bien, on a vu ce que ça donnait. Je vais aller finir mes primes. Les requêtes sont déjà faites. Les primes. Tu peux stack 20 graines. Ok. Ah, c'est pas énorme, hein. Enfin, ça se remplit vite, quoi. Allez. L'avantage des primes, c'est qu'ici, elles sont quand même beaucoup plus rapides. Katinazuma. Exploration 24%. Immunisé contre le physique, ça tombe très bien avec cette team, c'est pas un problème. Il est par ici, on va se TP là. Après on ira voir Xavier, et puis on ira voir le village abandonné à côté du samouraï. Personne disparaît. Est-ce que Zénith a toujours besoin de ses fleurs? Attends, c'est ça le truc? Ah bah, je pense qu'il en a toujours besoin. Putain, il mettait pas ça avant. What the fuck, man? Balance une boule! On a pas trop l'habitude de les fight, ces machins. Il y a une zone électrique autour de lui. What the fuck? S'il est dans l'eau. Oh, tous ces dégâts, monsieur. Oh oui, oh, tu bouges même. Non, on va pas arriver, c'est pas de ta vie là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais pourquoi il a fait 3 pas? Mais quoi? C'est normal ça? Le dog il fait 3 pas, il regarde toute sa vie. Putain, mais il triche, on dirait pas au soir. Putain, cette arnaque. Ouais, applaudis, ouais, clap sur hand. Ah, je me suis fait arnaquer, là. Saleté, là. Oh là là, il y a des trucs partout. Au secours. Je ferme les yeux, je vois rien. Hop, on se focus sur la réputation. Tac. Après, en soi...
T'as pas fait le truc des graines, Nico? Ah, il est peut-être parti faire quelque chose. Il faudrait qu'il en ramasse au moins une, tu vois, qu'il puisse les replanter s'il a besoin. Bah si on continue. Hop. Ouf, électro. On va changer de team. On va prendre l'autre. Avec le vieux. Comment on arrête la flotte sur la troisième île? Comment? Comment on arrête la flotte sur la troisième île? Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment on arrête la flotte et je ne sais pas comment... Enfin si, le bouclier c'est Xavier apparemment, sur la deuxième. Mais je ne sais pas comment on arrête toutes ces merdes. Ça... Parce que c'est un petit peu chiant, oui, force. Après, si tu joues à Yaka, au moins tu peux geler tout le temps les ennemis. C'est l'avantage. Ok, Snake. Ouais, Xavier. Spot d'herbe à sanglots dans les mines Jakotsu. Alors je dis d'accord, mais je sais même pas où Minjakotsu. Et ben voilà, Asnez. Bravo Asnez qui m'envoie des trucs. Asnez le boudeur. Le Minjakotsu. C'est pas le... Non, j'en sais rien, moi. Zenik, tu peux arrêter d'inventer des noms. Ah si, c'est là, pardon. Autant pour moi. Du coup, attends, on est venu pour... C'est lui? Non, c'était pas lui. I don't remember. Ah si, c'est lui. Par contre, il est avec toute sa famille. On ramène toute ta famille. Putain, il fait trop mal. Mon shield tient pas. Il est vraiment nul. Oh mais il est... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il bouge comme ça? On peut m'expliquer? C'est quoi ton problème dans ta vie? Putain, tu casses tout. Pourquoi il fait pas son R2? On sait pas. Il a dit Nictarasa. Ta vie, il est où? Toujours au même endroit, là je peux pas te dire de quel champ en fait. Saleté. J'adore quand je fais mon outil avec Kazuha et que l'ennemi se TP en dehors de la zone, comme par magie. Genre, il y a de l'IA qui analyse tes compétences. Yes. On aime, on aime, on aime. Re-amazing. Bon, ça ne dit toujours pas si je vais abdiler ou pas. Il est toujours niveau 70 en 3-3-3. Hein. C'est une catastrophe. Catastrophe. Ok. Ah, l'herbe avec le vent, c'est trop beau chez PP. Hop, niveau 17 du Battle Pass. Yes. Ah oui, il y a l'event aussi. Bon, on va en profiter. J'avais oublié. Réseau électrique, je n'ai pas encore regardé ce que c'est. Bon, dans cette zone, je préfère quand même me balader avec Kiking. C'est un chouïa plus pratique. C'est là, ok. Alors. Bonsoir. Oh, c'est encore elle. Oh là là. Mais de toute façon, c'est toujours la même qu'on va voir. Okay. Eh bien, c'est parti. Troisième étape de l'event. Un kilomètre. On va se TP, je vous le confirme. Toc, toc, toc. C'est quoi ça? Encore une page. Page déchirée des comptes. J'ai pas le temps de lire. Oh,
Mais des trucs partout. Au secours. On ferme les yeux. On ferme les yeux, on voit rien. Hop. C'est... Attends. Tutoriel. Activez des mécanismes pour déclencher le défi réseau électrique. Vous devez vaincre tous les ennemis qui apparaissent dans le temps imparti. Des dispositifs connus sous le nom de cristaux pulsateurs libèrent de l'électricité pour se connecter au personnage. Ok. Différents bonus. Ok. Bon bah on essaie de se connecter. Ok, j'ai compris. Collection. Beidou, elle applique les électro, je sais plus. Bah, regardez, en fait. Ah, mais c'est qu'une seule vague. Hein. Donc 5 fois. 10 fois. Oh là là là. Oh là là là. 30 ennemis avec au moins 2 cristaux. Ah ouais, non mais oh. Ça va être un petit peu chiant là. Et une fois que t'as fini ça, est-ce que tu arrives au. Au 1000 nécessaires pour. Inviter Beidou, oui. J'espère. Re-c'est le pire modo. Pour Ro, là, qu'on fait un truc là. En fait, c'est un rageur. Après Zenik, je vais faire d'abord. J'ai des trucs en tête, faut que je le fasse, sinon je vais encore jamais le faire et RT. Même ça, j'ai envie de. On va se concentrer sur. Ici, là. En théorie, le fait de prier, de voilà, de faire ce qu'il faut, au bout d'un moment, ça te déclenche cette quête, je crois, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça. Oh, il y a des défis, yes. Il y a des coffres. Yes. Il y a des coffres. Et pourquoi je me suis pas tapé à l'autre, en fait? Je suis beurre. Pas de moelle, j'ai tout ramassé plus ou moins hier normalement. Faudrait que je fasse le truc de la gueule et le cache-cache du gamin aussi. Il y a trop de trucs à faire. C'est trop bien. Oh, des cristaux, un nouveau spot. Yes. Yes, yes, yes. Bon, il n'y en a que 3, mais c'est toujours bon à prendre. Hop, hop, hop. Kenyo Banjok. Parce que si j'arrive pas à avoir l'arme que je veux pour Sayu, je compte crafter au moins 3 espadons d'Inazuma pour elle. Donc j'en ai besoin. Hein. Call off là, go lui faire un bisou à Snez. Pauvre petit, il fait de la peine. Vous êtes méchant avec lui. Surtout pour. Le mérite. Pardon. Hein? J'ai pas bien compris. Je crois que t'as bugué pour. Style le mérite? Non, je crois que t'as bugué pour. T'as des problèmes de langage aujourd'hui? Hein? Il. Le. Mérite. Quel fake! Bon, j'espère que ça sauvegarde au moins. À mon avis, faut en ramener 3 et quelque chose pop au milieu, non? Encore quelque chose de bien mystérieux! Ouais, c'est juste un vieux coffre, une grande découverte. L'abus par là. Bon. On se focus. C'est quoi tes vieux smiley? Au secours. On va encore se faire attaquer par tout le monde. Bonsoir. Je venais en paix. Mais apparemment. Ça ne t'intéresse pas trop. Ouais,
Qui a besoin de tartare en fait? T'as Kekin, t'as pas besoin de tartare. Hein. Il est buré, lui. Quelqu'un a des nouvelles d'Ayumi d'ailleurs? Elle a disparu. Je fais plus rien. Registre endommagé. Registre de la population. Ouais. Je sais pas s'il y a une info utile. Tous malades. Tout va malade et mouru. Disparu en mer. Sacrifié. What the fuck? T'as pas un 8ème sens, madame? Je sais pas, ça te montre quand même vachement la maison là. Puis c'est parce que comme si tu voyais à travers les planches. C'est chelou. On a juste un vieil arbre à l'intérieur. Non mais c'est bon, je crois que c'était autre chose. Oh là 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 là. Ici, comme l'heure, afin de fournir le sacrifice vivant pour son retour. Mais... Et ça parle de moi là, voyageur... Après un mordeur à l'hameçon, déterré. Ouais. Ah d'accord. Ok. C'était juste à la quête. Hein. Ça sert à rien. Alors. Kézémique, je vois. Oh, un artefact. Bon, je vais pas le noter s'il y en a qui fait la note. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'ici? Il aurait pu y avoir une tombe là, mais non. Je pense qu'on va partir sur le cache-cache caca du gamin. Ah, peut-être un deuxième spot d'artefact. De toute façon, j'avais noté pour les cristaux, c'est à côté. Et il veut quoi lui encore? Oh là là là. Il y a encore un vieux tanuki. J'entends pas plus que ça. J'en peux plus de ces vieux tanuki de mort là. Ils donnent des artefacts quand tu les trouves et encore faut-il les trouver là. Oh là là, c'est bon, on me casse. Et m'a saoulé. Du coup, on va aller faire le cache-cache de mort aussi du gamin. Je sais même pas si c'est une quête active. Et après, Zénix, si tu veux, si t'as. Ouais, non, mais je peux aller chercher sur internet. Hein. L'emplacement des. L'emplacement des. Des tombes. La 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 la. Il suffit de faire ces machins-là, et ça devrait ouvrir la grille. Quoi? Pour ouvrir la grille dans la gueule du serpent. Là. Bien, tu peux voir, c'est parti du coup. Non mais... On va pas faire le tour 28 fois. Il est parti où? Mais... Au-dessus? Je ne sais pas. Je ne sais.
faute pour... Donc là, il est planté. Ok, c'est bon. On va aller faire le deuxième. Il y a 20 browser flag. Putain, je fais des trucs tellement random. Mm-hmm. Oh, t'es vraiment nul, Kazuo. Mon dieu. Par contre, quel est le... C'est quoi le... Voilà. C'est quoi le sens, là? Ça n'a aucun sens. Allez. Et donc d'après Poro, faut le faire trois fois à chaque fois. Oui. Pourquoi tu mens, Poro? On l'a trouvé, il est où? Il est là. Mais... Donc là, je lui reparle, il va me le faire encore deux fois, là. Oh là là là. Sachant qu'il y a encore le gamin en dessous, dans la grotte. Tu te rappelles où il est le deuxième Poro? Parce que je t'avoue que j'ai vraiment la flemme de chercher. Je t'avoue que le deuxième, je sais pas, mais le troisième, il est sur son palais, hein, pour te dire. Proche de son palais. Non, mais je vais pas descendre plus que ça, là. C'est pas dans le trou, je pense, hein. Ah si, c'est dans le trou, hein. Si, c'est le deuxième, il est dans le trou. Ah, pourquoi... ah j'ai ouvert un... Ok, j'ai ouvert un mécanisme. Okay. Non, je suis allé trop bas, je crois. J'arrive pas à remonter. Oh non. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Je vais le goumer, ce gamin. Hé, gamin, tu vois mon katana? Yuko. Mais putain, qu'est-ce que tu fais, les burris? Il y a des mobs qui pop. Pop, 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 pop. Du coup, il est là ou pas? Ok. Tombe! Mais c'est pas tombé! Get live, I can fly! Et non, ça va me TP, ça va me TP. Ils sont vraiment couillons quand même, hein. Y'a un mob, mais bon, t'as 10 secondes pour battre, sinon t'es re-TP. Yes! Couillonne sur 20, Genshin Impacto. Et qu'est-ce qu'il fait à s'éjecter en arrière? Tolo! Oh non, oh non, Poro. C'est quoi ces poignées? Ah, c'est ce que vous disiez, les leviers de mort, là? Oui, c'est ça, oui. Il y a un... Attends, il y a une logique? Vous avez fait au hasard. Pas réussi? Non, non. Ah, parce que moi, j'ai pas arrivé. Hein. Tu vois même pas quelle grille ça bouge ou pas, là. Et le troisième Hatsune là, il est où là? Hatsune, je peux pas. Attends, qu'est-ce que tu dis, Nick? Pas à droite. Bas droite. Bas gauche. Bas gauche. Au droit. Ça n'a pas marché. Ou alors je regarde pas dans le même sens que toi et du coup c'est pas pareil. Rien. Je pense qu'on n'est pas dans le même sens, Zanik, là. J'ai pas trop qu'un prix, là.
attends. Bas droite. Hop, ça marche pas. Bah non. C'est Nick qui me troll. Ah, Znik, tu m'as trollé! Ah, mais c'est n'importe quoi! En fait, la dernière grille, elle s'ouvre pas, genre, avec aucune des manettes, elle s'ouvre. C'est toujours la seule qui reste ouverte pour moi. Fermée, je comprends pas. Genre là, elles sont toutes ouvertes sauf la dernière. Oui, oui. Je sais pas. Je comprends pas. Oh putain, la team de merde que j'ai. Oh, c'est cool. Zanik, tu sais pas non plus en fait. Co! J'ai réussi. Je suis MDR. T'as fait comment? J'ai fait truc au hasard, what the fuck. Bon, Zanik, ça marche pas. Au secours. J'ai réussi. Heureux. Heureux. Ouais, les boys. Oh putain, mais non, mais Zenik, j'ai. Oh, il est tombé ici. Par les bons persos. Zenik a quitté le monde. Zenik, l'eau. Adrianou. 42. Ah, hop. Donc là, ça fait deux tombes. Hop. Oh, du bleu. Nice. Merci, Zenik. Alors, du coup, son machin, il est ici, là, quand il nous fait faire le truc, là. Il y a le petit Kujira ici, hein. Oui, dans la grotte du tout, il y a encore, oui. Mais après, Zenik, il parlait de coffre. Ouais, est-ce que j'ai... Ça, cet épisode chaotique qui n'a aucun sens. Il me semble la même. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Hein? Pas comme on pense. Il faut que je parle à Xavier aussi. Oh là 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 là. Et pourquoi? J'avais pas vu que... GoWWE. J'avais pas vu Call of. Mais c'est, ce jeu, j'ai joué une fois. Pourtant, j'aime bien le, en général de la baston et le catch, mais. Voilà quoi. C'est ce que j'allais dire. Où est son ballon de mort à l'autre là? Je sais pas, j'arrive pas à trouver le. Mais il a pas l'air d'être tout en bas en vrai. Si? Attends, bah non mais vas-y. Mais t'as pas le temps de chercher en fait, c'est chiant. Je suis à 5.43. Mais non, à chaque fois je regarde les secondes, je regarde pas la distance. Mais au secours, Poro, je suis teubé, aide-moi. Merci. Moi j'ai regardé sur internet pour celui-là, j'ai bien celui-là. Attends, je vais déjà si je regardais le bon truc et pas le mauvais. Je regarde le timer au lieu de regarder la distance, au secours. Yuko. Non, c'est quand on prend les trucs, c'est bon. Bah ça pèse bien là. 30 mètres, 25 mètres. Mais non, là ça. Ah, si je l'ai. Ah, il est en haut! C'est bon. Il y a un truc intermédiaire, je crois. Oui. Ok. Donc là, une troisième fois, et normalement, il me fout la paix. Sauf qu'il est juste en dessous. Nico, est-ce que t'as eu envie de jeter ta console par la fenêtre? Bah non, ça, je reste sur internet.
Ah non, pas celui-là. Ah non, celui que tu fais là, je l'ai fait sur internet, c'est pour ça. Ah putain, bah, je trouve pas le... Oh là là. T'as pas assez de temps en fait. Si tu sais pas où il est, t'as pas assez de temps pour explorer. Ah, ils sont beurrés, moi je vais écrire une lettre à Mew. Voilà, le temps que je trouve le début de direction, et non, c'est même pas bon. J'ai déjà passé 25 secondes. Ça sert à rien. Ah, c'est vraiment de la merde. Après, c'est pas fait de suite, c'est sur le palais, il l'a dit. Ah, je suis en train de faire une mission, je vous spoil pas, mais juste là, tu sais, quand tu fais une mission, c'est marqué ce qu'il faut faire. Ouais. Là, c'est marqué sauter. Bah, tu sautes. Il veut que je mette un terme à ma vie, quoi. Mais comment tu vas là-haut? Oh my gosh! Non, en vrai, Soso, la quête de purification, tu peux la faire en épisode parce que la fin. Voilà. Parce que pareil, Jus aussi m'a dit ouais, ça, que la fin. Ah, c'est pas, j'allais kiffer. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça vaut le coup d'être filmé, on va dire. Bon bah, ce sera la prochaine session. Ils ont pas trouvé un pire truc pour te faire des quêtes que ce vieux gamin de merde là? Je sais même pas comment tu montes efficacement là-haut. Là. Oh oui, soir, attends, filme-le la fin. Filme la fin de la quête. C'est une quête de merde, mais la fin, filme-le. Enfin, filme la quête. J'ai le goût du vomi dans la bouche. J'ai le goût de la vodka, ça a le même goût que le vomi, ça, c'est bizarre. J'ai plus d'endurance. Ah, oh, vas-y, non mais. Nique ta race. Nique ta grosse race. Excusez-moi, c'est ce jeu du monde. C'est mal branlé, wesh. On va essayer de passer là-bas dans le petit trou. Ça fera moins de distance. Oh my god. Hein? Umi o wataru toki no raiyu to kurabereba, kono teido wa ii ni mo kaisanai. Alors, rien de ton endurance. Hop, tranquille ou bilou, espèce de cacamou qui pue. Yuko. Arrête d'escalader des trucs que t'as pas besoin d'escalader, espèce de cacamou qui pue. Il est où le trou? Arrête. Il est où le trou? J'ai pas trouvé le trou! Arrête de parler de trou, bordel! Mais j'ai pas trouvé le trou, qu'est-ce que je fous? Je me suis trompé! Putain, Gokang! Rien par pitié. J'ai envie de le claquer! Il s'appelle grand frère. Non, il s'appelle grande sœur. Oh, Nissan! Pourquoi je trouve pas ce que je veux là? Il est où mon bonheur? Au fond de droite. Il est où le bonheur? Il est où? Et moi je peux te dire qu'il est pas mis en session. Oh. Il est pas rempli non plus. Il est pas quoi? Il est pas rempli non plus. Ah rempli, j'avais pas compris. Alors c'est quoi? J'ai pas rempli là. Ça le gamin va. Je vais le tarter. Hein? Hein deux. Alors je t'ai joué. Vas-y, tu t'es moi pour rejoindre, il a vraiment besoin. Non. Hein je suis con. Non bah je suis con. Comment ça placer un truc dans un endroit sûr? Qu'est-ce qu'il veut lui encore là? What the fuck? Bah je vais au Temari sans faire exprès ce soir en fait. Mais ça y est. Défi terminé. On s'en bat les couilles. C'est pas pour le multi ça? Mais si. Mais t'as dû mettre je vais au Temari sans faire exprès. Donc là, lui, il me fait plus rien, là, ce gamin de merde. Oui. Enfin, si, il va partir d'autres endroits, mais pour le moment, lui, non. Donc je vais dans la grotte en dessous, et il y a son jumeau diabolique qui va me faire souffrir de la même façon. C'est ça. Okay. Merci. Et dans la grotte, laisse tomber. Ouais, dans la grotte, j'ai fait sur internet. Oui, dans la grotte, ça va, en vrai. Mais nique. Moi, je l'ai fait aller avec internet. C'est un petit peu chiant, là. Je vais la prendre. Si vous aimez. Wow, mais tu m'as c'est Nick, tu m'as TP en arrière. Prime la quête, hein, puissance 1000, ma gueule. Elle est où l'entrée? Oh oui, Sorator. Oh, Sorator. Oh, Sorator. Il faut que tu la passes en épisode, la quête, ma gueule. Ok. Non, mais genre, cette quête de merde, elle a une fin comme ça, je suis choqué. C'est le logo de quelle étape ça? Non, y'a pas de cinématique, mais genre, c'est inattendu, on va dire. Y'a pas une Azuma? C'est pas le bon truc. T'as pas eu quoi? Il était où le gamin là? Oh. Il est où le gamin? Il est où? Il faut des fleurs de cerise. Attends, mais... MDR. Ok. Et pourquoi il y a.
patate à yo-yo. Je peux pas lui parler. Ok. Et puis quand je commence à chanter, hein, c'est bizarre. Je peux pas lui parler, Zenik. Zenik, je peux pas lui parler. Zenik. Zenik. Obrigado, mon nino. Obrigado, mon nino. Donc là, on va essayer de faire ça vite fait. Et après, le dernier tour, il en manque 3. J'ai pas fait Storm Terror. J'ai une canée. Bravo. Putain. Je l'ai fait hier. 50 mètres. Scheiße. Ok, j'arrive pas à me rapprocher. J'arrive pas à me rapprocher, c'est en haut, c'est dehors, qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est vraiment de la merde. Je le ferai de mon côté avec une soluce. Je m'en bats les reins, c'est de la merde. Oh, ça rattache. Alors, je suis choqué. Suce tes boules, merci. Pourquoi tu parles à celui dans la grotte? Ouais, non, c'est bon, je cherche même pas. C'est nul. On peut le dire, Sorator. C'est juste nul. Il faut utiliser la plante, Sorator. Les plantes qui font voler là. Genre, normalement, tu commences le défi, mais direct en face de la plante qui court et après tu suis les plantes et. Ouais. Les trois à faire, c'est par rapport aux plantes à suivre. Je me suis TP, JPP. Bon bah, t'as grosse merde. Là. Mais j'y retourne. La plante. Et tu sais les plantes, les électro-magnum là. Magnum. Comment ça s'appelle Les électro-magnum. Les... Électro-granum, c'est pareil. Aïe, je me suis fait électro... Oh lol. La catastrophe, la débandade. J'ai osé dire la débandade, hein, bien sûr. Je peux bouger, jeu de mort? Non, en fait. Regarde mon nez, non. Quand j'étais dans ton monde, tu m'avais montré un endroit où il y avait un truc de la purification dans un puits là. Et il est où ce puits? Mort. De. Attends. T'as le mort ou pas? Ah oui, ok, non, c'est bon. C'est Ayumi là. Aromi. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est quoi? Mais j'ai pas trouvé le truc moi encore. L'hôtel. Attends, pour. Attends, il est où le trou là? Pour où il est où le trou? Hein? Il est où le trou? Bon, électromagnum là. Je fais quoi avec un électromagnum? J'ai pas compris. Là, je suis PP Zeni qui me répond là. Je crois que je suis pas allé au bon endroit. Oh, ah non, mais je. Oh, j'ai envie de. Ça veut dire, mais ouais. Ouais, il est ouf, hein. Il est où, Guillaume là? J'ai envie de caler. Zenik, le village de Konda, c'est le tout premier. Lui. Le puits, je l'ai déjà fait en fait. On parlait d'un autre puits avec Sosa. Mais merci. Oh my god! Ah, j'ai rien dit, il y a carrément une cinématique en fait. Il m'a mis devant une plante? J'en fais quoi de votre plante? Je comprends pas en fait. Quelle plante? Pour monter. Y'a pas de plante pour monter. Ah si. Ah la plante. Oh putain, j'ai ouvert les invocations, oui. Ok, c'est un malheureux qui prend tout. Mais trop bien, c'est perturbant. 35 mètres, vous m'avez menti. 40 mètres. Oh là là, bah je sais. Ouais, d'accord. 45, non, mais donc je suis toujours à 50 mètres, hein, je sais pas où c'est censé être. Et t'es monté tout en haut, il fallait pas spam comme un gogol, c'est juste que tu prends de la hauteur, après tu vois. Oh. J'ai envie de faire comme toi, de nager, de me laisser noyer. Ça me casse les reins. Mais il fallait pas spam les fleurs, fallait juste voir après c'est où t'allais par rapport à toi. Bah, les gens, faites-le avec une solution internet, c'est vraiment très chiant. C'est pas du challenge, c'est juste chiant en fait. C'est où là? On retrouve bien Sorator. Pourquoi? Ok, bah il a arrêté, bah Nictaras le jeu, merci. On peut m'expliquer aussi s'il vous plaît? Merci. Le premier, je crois qu'il faut. Bah en fait, c'est bizarre parce que j'ai le recul en fait. Enfin, le... Call of, j'ai envie de tuer quelqu'un alors, c'est pas grave. De quoi tu parles? Dis-nous tout. Le mec il me parle de Fortnite, super. Toi, y'a un électrocubus là. Oculus.
Moi je sais pas où c'est. Ça, je cherchais les Truculus, ce sera ça de pris. Il est où? Là, à l'endroit où il y a les Truculus, c'est le troisième Temari. Ok. Mais après, le deuxième problème, c'est que j'ai le recul, enfin j'ai le repart du lac. Le deuxième, il est hyper simple, genre vraiment. Bah, il est tu dois trouver facilement. Par contre, le premier, il est dans un recoin. Il faut tailler en direction de là où il y a la deuxième plante. Putain, c'est difficile. Attends, ils sont tous accrochés au plafond. Non, ils sont sur du sol, mais genre du sol au plafond. Non, mais je veux dire, ils sont tous. C'est la même mécanique, quoi. Ouais, tu parles des. Avec la porte à chaque fois. 32 mètres, putain, c'est pas là, mais sus. Sus, mais bon. Ah, si, je l'ai. J'arrive pas à viser. Allez, tous ensemble! Nictaras, Kujara. Kujirai, oula. Pardon. On se calme. Bleh. Et après, il faut le refaire encore 6 fois, il m'a dit là. Non, mais Zenik, je vais mourir avant. Je vais mourir de vieillesse avant d'y arriver. Oh! Bah, demain quoi. Bon, le deuxième il est hyper facile, hein. Waouh, on dirait que c'est Ego qui l'a caché. Hein. Attends, il y a une belle musique ou pas? Mais c'est quoi cette quête qui pue la bite au début et qui finit bien? C'est toujours traduit par Google ou ils ont fait un effort? Elle est trop belle la musique à la fin en plus, c'est trop beau. Ah, on voit là-bas. Hop là, j'ai dit hop là. Du coup, tant que j'en retrouve pas, j'ai officiellement plus de quête annexe. J'ai plus de quête de quoi. Coffre précieux. Bon. Au moins, tu peux te consoler en disant que c'est pas un coffre de merde. Mais bon. J'ai quand même envie de foutre une tarte dans la tronche. Hein. Sans vouloir être vulgaire. Petit con. Tant que t'as réussi, il aurait été plein et d'abandonner. Ça me casse les reins en fait, c'est nul. C'est vrai que t'étais pas un fan de John Cena, t'abandonnes trop facilement. Ah, la carte. Je l'aime pas avec sa coupe de cheveux. Du coup, alors attends. Bah, est-ce qu'il y avait pas un sable, une tombe en haut là? Ça en avait tout l'air, Zenik. Pourquoi? Ah, d'accord. Donc, il m'a dit un Nictamus Water. Tu veux monter? Eh ben non, sustable. Merci. T'as amené les rituels de la purification. Ah, je suis à 2 sur 3 en fait. Ah, le mec me spoil qu'il est bientôt fini. C'est pas une tombe ici? Quoi? On dirait encore un truc qu'on peut prier. Hôtel. Attends. Il y a encore un hôtel. On peut relever. Non. Zenik Kano. Il y a encore un hôtel. Examiner. Il y a un fantôme ici. Pourquoi ça lui fout la chair de poule? Voilà, c'est le même dialogue. Je vais t'emmener aux tombes. Viens, ouais, ouais. Je t'emmène aux tombes. J'ai perdu là, mais bon, c'était un hôtel, j'étais pas loin. Après, on n'est pas à Californie. Quoi? Hôtel Californie. Oh non. Oh putain. Oh laisse. Hôtel California. Ah, mais c'est la lame de nid. J'ai appris un truc qu'on me dit que je pouvais le forger, mais il n'est pas à la forge. Comment quoi, le tu apprennes le plan. Tu mais, appris, j'ai appris, justement, je l'ai appris. Ça marque maintenant que vous pouvez forger ça. Et dans la forge, il n'y est pas. Il n'y a pas des onglets, t'as pas les ressources peut-être, donc c'est tout en bas, quoi. Non, même tout en bas, il n'est pas tout court, j'ai tout fait. Bah, je sais pas. Putain, les voisins qui savent pas fermer leur volet, ça me. Une grande fou. Je devine. Encore un hôtel? What? Pourquoi il y a 36 000 hôtels là? C'est du pourquoi il est protégé celui-là? Il y avait pas un électro Magnus là? Quoi? Magnum. C'est quoi le nom? Electro Magnus? Magnus. Granum, je crois. Attends, Zenik, je fais juste ça. Et yes. Je sais pas ce qui est bloqué ou pas quand on est en multi. L'hôtel dont Shuji nous a parlé. Ouais.
Beaucoup de pétales de sakura sacrés jonchés autour du sanctuaire. Attends, Zenith, tu m'as envoyé un truc sur PS4, mais... Sa maman avait eu l'habitude d'offrir des fleurs de cerisier. Ouais. Allons le dire à Shuji. Attends, mais c'est une quête? C'est quoi ça? J'ai fait une étape de quête? Quoi? Je sais pas. Zenith, ouais, comme ça. En plus, ça fera. Aïe! 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 Ça fera limite Solus. Parce que je suis trop un gamer. Si tu veux venir. Ça peut peut-être dépanner quelqu'un. Par les renvoyer à cette vidéo de mort, une vidéo dédiée, faite par Zenik ou un autre... Enfin, je sais pas si t'as fait une vidéo pour ça, Zenik. Zenik fait des vidéos? Yes. Sur Genshin Impact. C'est quoi ça? Ils ont commencé à t'enverrer. Je suis déjà à 1h06 de l'épisode, le sang. En fait, il y a trop de... Enfin, à la fois, il y a trop de trucs, mais ça va pas tenir 6 semaines, mais il y a quand même trop de trucs. Mais il y en a pas assez, mais bon, il y en a beaucoup. Bah parce qu'on tryhard en fait, on joue tous les jours. Hein. Bah, je suis tryhard, je m'appelle pas Zenik non plus. Quoi? Ah ok, Zenik. Zenik qu'il a fait pire okay. Que Juso, quoi. Comment c'est possible? Attends, est-ce que je suis encore en épisode, là? Mais Zenik, regarde, il connaît l'emplacement des tombes, s'il te plaît, mais what? Oh, on peut faire un multi. Vision, en fait. Non, il s'en rappelle. Non. Il est fort, okay. Attends, quoi? Oh non, je suis obligé de le... Putain, Zenik, je suis obligé de passer... Oh là là, c'est chiant. T'es obligé de le faire en solo. Oh là 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 là. C'est patch repatch. Donc tu peux consulter la tombe, mais tu peux pas la finir. Ok. Je vois. Zenik le boss. Mais oui, Zenik il est trop fort. Ah ok, merci Zenik pour tes instructions hein, sur le jeu. Juste quoi en fait. Ça c'est bien. Vas-y, insulte-moi. J'ai plus de quête du coup, c'est cool. Oh, tu sens bon. J'ai plus de... Ah putain. J'ai plus de quête. J'ai plus de quête, je fais quoi là? Mais go en trouver, il y en a plein partout là. Faut j'ai fait les villes en fait. Non, il faut que j'explore pour avoir 300 coffres, je suis à 200 donc... Salut ouais. Guillaume. Bonsoir. J'ai pas la team la plus optique pour fight. Moi je fais une multi sur la Akama maintenant. Non, si. Non, ça dépend si je peux faire une multi. En fait, je fais que des multi maintenant, je suis devenu un fils de riche, tu vois. Après, alors, file pas... au cas où, au moins avec ton snap. Hein. Au cas où. J'ai pas assez, il me manque. Il me manque 60 primogèmes pour pouvoir faire une multi, c'est dommage. Oh putain, bad, ouais, si en fait. Bah, Daddy. Comment ça va, Guillaume? Ah, je pense que... Je peux faire une multi. Là, tu fais une multi, là? Là, je pense que je peux, en fait. Ouais, vas-y, sur quoi? Sur Ayaka, il fait une multi. J'ai une multi maintenant. Et j'ai pas de jaune. Ah, putain. Ou je passe à 50 et quelques de pity. Là, t'es à 50 et quelques, là? Bah, entre 55 et 60. Ben, si tu l'as pas là, ton doré, sur la bannière de balle, il va tomber, hein, sûr à 100%. Ah, par contre, j'ai eu Yenfei, donc le S, je l'avais pas. Yenfei, elle est super fan de jouer. Go tester juste son gameplay. Go faire. Non, mais j'ai déjà testé dans SLS Adopt. C'est vrai qu'elle est en rail top. Donc, au moins, ça me fait Yenfei, donc un nouveau perso que j'avais pas, donc Bennett. Non, Yenfei, pas Bennett. Qu'est-ce qu'on est drôle. Lol, les noms. Donc j'ai eu Yenfei, c'est cool. C'est pas drôle, ça va pas. Tu sors du digestif. Oh, c'est popo, t'as défoncé la loupe. Attends, mais l'île qu'on voit là. Mais oui. Pardon.
C'est la prochaine ? Celle que je vois là, bah, avec les cailloux. Exactement. Que j'ai oui, dit oui, mais je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Même, même moi, je me rappelle que pour il l'a dit. Eh, vous c'est voyez bon. Le... non. J'ai goûté ta mère. Oui, mais moi, je n'avais pas fait gaffe, ok. C'est bien ça. Je te demande confirmation. En fait, tu peux me dire oui pour Fiasco. Ok, c'est bien ça. J'en peux plus. Je crois que le mini-jeu ballon là, il m'a épuisé. J'ai l'impression d'avoir fait une game de Uno. Ah bah go, Uno après le S. Non, non, il fait ce qu'il veut là après. Ok, je parle plus jamais de ma vie. Ah, sympa. T'es où Zinek? Je te vois pas. Ah, oh, il y a un feu follet en plus. J'en peux plus cette énigme de non, merde. Je suis pas les feux follets, hein, Zinek. J'en ai pas fait un seul, je crois. Peut-être un. Oh punaise. Dame, dame. Watatsumi. Faut que j'explore 27 fois après. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour le fun, j'ai monté Yanfei niveau 50, comme ça au moins au cas où. Quoi, t'as fait ça ? Avec Kazuha, ça doit être légendaire. Oh my god. Légendaire ! Oh my god, j'en peux plus d'avoir des gens qui pensent comme moi, je m'inquiète. Ça m'énerve pour moi. Tu sais que. Oh putain, il me contre, c'est pas une bonne nouvelle. Tu sais que Kazuha, il donne du bonus de dégâts élémentaires de ce qu'il touche, Nico ? Je m'en bats les couilles. Allez, go! Bah non, mais je t'explique le but du perso, j'ai pépé de toi. Je le sais, Sorato, mais ça changera pas en fait. T'auras pas bien ce que tu veux, ça va pas changer ma façon de jouer. Bah non, mais. Écoute-moi bien, suis mes lèvres à distance. Résor et Zhongli ne quitteront jamais ma team. Jamais. Bah, Zhongli, je comprends, Résor. Ça s'appelle jouer à un jeu vidéo, aimer un personnage et aimer le jouer. Et pas être comme tout le monde, le S. Ouais, je crois que tu l'aimes un petit peu trop. Hein. Bah écoute, t'es obligé de faire des envies. Mais sa grosse épée. Non, il fait trop enfantin. Même, tu vois, si je devais être curieux, comme on dit, pas avec un enfant de 12 ans, quoi. Non, avec Zhongli, c'est le seul qui ressemble à un homme dans le jeu. Qui Zhongli. Bon, HLD aussi, hein. Bah, HLD, il est censé avoir 16 ans ou 17, n'importe quoi. Quoi ? Ah, mais ils sont beurrés. Il y a quel âge, Zhongli ? Bah, il a 800 milliards d'années, non, vu qu'il fait un oui, comme 20. Ah mais c'est celui-là, bah attends, je vais te le faire vite fait. J'en peux plus de cette énigme. Quelle énigme? Quelle énigme? J'étais dans un des hôtels de la purification, bah dans le puits où ça m'en était, et puis il y a des trucs de... Je suis pas... De trucs à faire tourner pour que ça soit dans le... Faut qu'ils regardent tous au même endroit là, ce que j'y arrive pas. Ils sont 5. Oh, j'y arrive pas. J'ai pas compris, mais je pars en blanc, d'accord pour... Ah, je m'écris maintenant. Tu sais le truc où tu frappes dedans et il tourne et ça s'éclaire d'un côté. Ah oui, ah bah t'es comme moi, tire au pif. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, mais là j'essaie de faire un peu de manière logique parce que dès que t'en tournes un, ça en tourne 3. Enfin, dès que tu en frappes dedans un, ça en tourne. Ah, là-bas. Oui, mais là-bas. Je l'ai fait toujours au pif, au bout d'un moment ça marche. Et j'ai m'écris ma ferme, bah, je fais tout seul vu que j'ai pas d'amis. Bah, du coup, Zénith, j'ai dû t'écouter le faire en même temps. C'est vraiment dommage que j'ai pas d'amis pour m'aider à faire mes primes. Enfin, seulement j'avais des amis. Attends, Ico, je suis en train de faire une quête. Je suis pépé. À moins quelqu'un voulait m'aider à faire mes primes. Bon bah du coup c'est fait. Oh bon dieu, pourquoi est-ce que je suis alors Zenik, là, non. J'ai pas compté. Je suis pépé. Bah ça m'a rien fait en fait là. Qu'est-ce qu'on a là-bas ici? Daddy. Ah, il m'en manque toujours un. Toujours un. Il y en a 4 sur 5 qui bah, sont allumés. Regarde la porte de mort là, on a réussi par... on a fini par y arriver. Donc, Oui, pour eux c'est... En plus pour eux, ouais, c'est un temps de purification, donc je vois duquel tu parles, mais ouais, c'est... C'est casse-couille. Du coup je regarde un peu... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une cavité suspecte. Est-ce que ça se vide? Je crois que ça se vide, du coup. Et toutes les phrases devant toi sont dégueulasses en fait, c'est incroyable. Je crois que la cavité se vide. Aidez-moi. Je suis à 15 pour 26 en quête d'Inazuma et pourtant j'arrive pas à en trouver. Pas de feu follet là. Putain, je me suis dit, ça se trouve, il est là, faut le ramener. Mais... Il est beurré leur indicateur là. Bah, c'est bon, j'ai gagné là. Oh oui, c'est bon. Yes. Tu peux te calmer s'il te plaît, merci. Non, je le comprends, j'étais pareil quand j'ai réussi. Mais ça me montre. Ou alors c'est pour après, je comprends pas. Daddy. Daddy cool, bon, allez Casco, chante.
Bon, je vais aller voir Xavier en attendant. Parce que je vais faire Xavier quand même. N'oubliez pas de faire Xavier tous les jours, apparemment, si vous voulez progresser. Mais je sais pas où est Xavier en fait, pas de problème. Mais t'as le live, quoi. Je l'ai fait hier et je l'ai fait aujourd'hui, Xavier. Mais toi, je vais te goûter. Ouais, ouais, reste silencieux, je préfère. C'est pas là pour. Okay, ne regarde pas ce que je. Pardon. Hein, c'est où Xavier? C'est pas là? Alors, attends, j'ai déjà sa quête. Tatara. Par là, Xavier. Ah si, c'est là, mais c'est en contrebas aussi. Si, pour t'as vu où je suis allé ou pas? Non. Bah, regarde. C'est au nord de Tata. 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 Non, Tata Rasuna. Ok, merci. Et tu. C'est en contrebas. Xavier. Le fifou. Tellement mieux de dire Nadiku. Le fifou. Le 96, on n'a pas qu'une blague. Papa. Oh, moelle cristalline. Ah, mais c'est lui qui demande la moelle cristalline. Non, c'est pas un... lui, il en demande aussi, mais c'est pas lui qu'on parle. Ah, parce qu'il en demande que 3. Merci infiniment. Mais du coup, il peut enculer à lui, il faut enculer 24 au gamin, genre, ouais. Non, moi je garde pour ça, you. Niquez-vous. Donc là, j'ai fini la quête du jour, là. Attends, mais. Okay. Mais. Toujours combien, Xavier, toi? 3. Bah, pourquoi j'ai eu la même chose que toi aujourd'hui alors que c'est mon jour 2? Parce que, non, parce que le premier jour j'ai pas fait poser les balises. Je crois que je l'ai pas fait, j'ai attendu le lendemain. Ah oui, donc au jour 2 du coup. J'en sais rien, écoute. Moi je joue de manière. C'est pour être. Bah oui, c'est... Non mais normalement t'es au jour 2 du coup, techniquement dans la. Zenith qui a oublié un coffre. Oh non, non, Zenith. Oh non, non, t'étais censé me guider vers la lumière. Mec, là, déjà... Voleur défilé, je me dis que je pourrais pas ou non ce soir, mais on va plan. T'as dit quoi? Oh là, dis-moi le cristalline! Ça vaut le coup de prendre des dégâts. Je dis, je vois l'heure défiler, et du coup, je me dis que ce soir, je pourrais, on pourra pas ou non, du coup, j'ai envie de pleurer. Ouf! 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 Ça, c'est bon, ton live, il a bugué. Hein? Non, non. Je vais retourner moi. Ah, t'es beurré. Ah, on est vite, tourne. Salope. Dixit. Ok. Attends, je prends plus de dégâts, quoi? Pourquoi je prends plus de dégâts? Y'a un truc safe? Pourquoi c'est safe là? Can you explain me why it's safe? I don't get it. Arrête, arrête, arrête. I'm here to learn to spell. Ça suffit. À la base, je venais pour l'électrocus, mais il doit être tout en haut en fait. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Je vous dis. Oh, j'ai mis ton message. J'ai mis que t'as écrit bon E. Quel fifou. Je vous laisse. Ok, Guillaume, amuse-toi bien à explorer cette map. Ok, tu peux arrêter de parler comme ça. Merci. Ouais, que l'offre qu'un truc qui est. Quoi? Tu l'as fait, Fesco. À voir si vous. Zenik, tu sais où est la dernière tombe ou pas? Comme ça, je peux conclure là-dessus et on n'est pas trop mal. Une petite vidéo d'une heure vingt. Pef, pef. Parce que je t'avoue que j'ai aucune idée. D'accord. Oh, quoi? Mais Fiasco, il a fait un clip. Ah, tu vois. Faut pas rester là, Zenik, hein. Dégâts, on prend des dégâts. Oh oui, oh oui. Je peux pas aller voir le truc là. Attends, après, à la fin. Ce sera l'image de fin après le truc de. De Call of. Petit pépé de Fiasco, ouais. Bah, Call of, j'ai jamais eu ce bug là avec Genshin, donc je sais pas. Regarde sur internet, c'est des gens comme toi. Des fois, t'as des gens qui ont des. Quand ils ont des bugs, ils partagent. Donc... Ou alors, essaye de relancer, je sais pas. Et Zenik, c'est vraiment ça de la même. De relancer ta console ou. Ou le jeu, je crois. Enfin, ta console ou le support auquel tu joues, je sais pas. Ouais, relance la console et. Je sais pas. Si c'est pas ça, je vois pas. Essaye de te connecter avec un autre compte. Ce serait un peu bizarre.
Il y a des éclairs partout là, Xavier, tu fous quoi? Bah, dis pas Xavier, j'ai du clip même. Comment? Je dis plus Xavier, sinon je rigole. Ah. Le mec se moque de moi, ok. Bon, attends. Ah bah, il arrive plus en ce moment. Ah. Si j'ai redémarré ma console, j'ai redémarré Genshin, ça fait rien. Bah, je te dis, regarde sur internet des gens comme toi, tout... normalement, quand des mecs ont des bugs, ils le partagent. Donc, oh, ça doit pas être le seul. Bon, Ico, grâce à Zenik, on aura fait les 5 tombes, donc si vous regardez 1h20 de vidéo pour vous enfoncer. Bah, si tu fais une vidéo vraiment où je vois que les tombes, ok, sinon j'allais voir quelqu'un d'autre et du coup tu vas perdre une vue. À toi de voir. Ah bah non, ce sera une vidéo d'une heure, basta. Tu peux me taper 1h20 pour 5 tombes. Par contre, et après, faut faire quoi en fait quand t'as les 5 tombes? Faut retourner voir le PP? Ça a rien fait, moi. Les 6 tombes. Quoi, c'est pas fini? Putain. C'est pas fini? J'en peux plus, moi. Bro, t'es allé voir le kit de Pesco? Oui. J'en peux plus. J'en peux plus. Les six tombes, mais à l'aide. Ah bah voilà, du loot enfin. Toucher l'épée. L'épée de Fiasco. Fiasco, ça se voit qu'il veut jouer à LOL, du coup il se fait chier, donc il fait des blagues partout. Oh my god. C'est vraiment plus drôle. Il me faut le... un truc là. Non, là-bas. Non mais Call of, t'as cheaté sur Genshin ou pas? Je sais pas comment c'est possible. Me dis pas qu'il s'est fait kit, il s'est fait pas. Mais cherche sur des forums, genre pas que sur YouTube ou quoi. Par quoi? Oui, le gars sur la vidéo, il les a fait, il a eu un succès. Mais ça a marché pour toi, Zenik? Oh putain, le Kang Kang! Pourquoi il a fait un demi-tour? Peut-être t'es pleuré, monsieur le samouraï. Tendo Bashu! Je t'avoue que j'ai pas compté, hein. Je sais pas du tout à combien j'en suis. Hein. Bah, est-ce que c'est pas un problème avec le PSN sans aucune conséquence? Et puis, oh là là. Le problème avec les primes, c'est que si Bob est immunisé contre le truc physique, tu dans la bombe. D'où l'intérêt d'avoir une deuxième Fini la phrase, Ico. J'ai un mob qui est immunisé contre les dégâts physiques, je vais réussir à le battre, tu vois. Bah, bien sûr que tu peux le battre. Hein. Bah, voilà. Oh. Tu pourrais te faire. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est assez, je crois. Je vais prendre toutes les quêtes que je vois parce que ce sera pour la prochaine fois. Ça passe là. Putain, il y en a deux là. Ouais. Je sais pas, Call of, t'as cassé ton jeu. Non, mais il y a peut-être juste un problème de co. Je sais pas. Après, je suis sur PlayStation, donc je sais pas. Vrai 200 coffres. Le S. Non, par contre, je veux pas faire la quête, monsieur. Je veux juste la prendre. Mais par contre, pas ta vie, tu me la raconteras plus tard. Merci. Oh non, mais ça fait comme Ico. J'ai pris un éclair pendant un dialogue. Oh, alors ce réacteur, dis donc, il est vraiment trop nul. Alors là, mon pote. Oh, j'en ai tout de retard. C'est ce qu'il m'a dit pour me faire trigger. Oh, il est parti, mon perso. Tiens, t'es vraiment nul. Il part pendant 8 ans. T'es vraiment nul. Je vais accueillir des trucs et revenir. Ouais, je reviendrai. Non, c'est bon, regarde. Ici. Cueillir 8 herbes à sanglots. 12 herbes. Oh putain, il t'arrasse. Je reviendrai. Le PNJ qui pense que c'est marrant. Moi j'ai fait mes 3 primes tout seul, sans amis. Putain, pourquoi t'abuses?
Enfin, ils étaient soutenus dans cette communauté, mais apparemment non. T'inquiète. C'est quoi des graines d'herbe au sein de l'eau? Attends, la récompense, c'est vraiment des... Pourquoi j'ai une quête annexe? Une pierre aux formes étranges semble émettre une énergie inquiétante. Elle est étrange, c'est effrayant. Pourquoi j'ai une quête qui vient de se lancer? Voyageur de passage, si vous avez des questions sur cette amulette, veuillez vous rendre aux gorges de Musojin et parler à Monsieur Kaji. S'il vous plaît, dites à Monsieur Kaji que nous avons essayé, mais malheureusement, peut-être qu'il peut le trouver quelque part à proximité. Mais ça veut rien dire! Ok, il va rien dire. Oh. C'est même pas la quête, ça. La quête c'est quoi? C'est lui la quête. On peut parler à Madame Pou. Le problème c'est que si je prends pas les quêtes, j'ai peur de lui. Voilà quoi. J'ai activé tous les TP. GG. Quoi? T'as réussi à avoir la TP qui est sous l'eau à la première année de la Zoa? Juste actuellement là. Alors, Zenith, est-ce qu'il y aurait fait... pas une quête à lancer avant? Par hasard. Comment taper, FDP? Non, mais le dis pas pour où je suis pas là. Calme-toi. Bah, pour envoyer un MP de combien on y atteint, s'il te plaît. L'héritage. Ok, ouais, prologue. On verra ça plus tard. Inspecter la protection. Bon, au moins on a la quête. Et c'est ce que je viens de regarder avant. Ok, on fera ça plus tard du coup. Parce que là, les tombes, Zenith, on les a vues les 6? Je comprends pas. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter là l'épisode. Hein. On va regarder le truc de. T'es encore en épisode? Tu sais, quand ça fait une heure, c'est un film en fait, c'est pas un épisode. Bah voilà, il y a un film d'une heure 26 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Si j'avais parlé à Madame Ping, ça fait 8 ans que j'ai pas parlé là. C'est quoi ça, Zenith? Call of. Tu pépé. Tu regardes les trucs. On a d'entendre des notifications de Discord, qui c'est qui? On va regarder un peu les succès et on va regarder le clip pour finir. Hop. Hop. Alors. L'opoté clip. Qui c'est qui a fait des 6 messages, quoi? Ah non, mais il y a que deux clips, attends. Il y a Abba. Gimme, gimme, gimme. Okay. Bon, j'aime bien Barbara. Ce qui est chiant, c'est qu'elle met. Elle te mouille en fait. Ok. C'est quoi le problème, Zenith, avec le fait d'être mouillé par Barbara? C'est Call of, putain, pourquoi je vous confonds? Mais je suis beurré, aidez-moi, la vieillerie, ça aide pas. Je vous le dis, moi. Xavier. Fou. Ah, mais c'est moi qui chantais ça en premier. Je suis même pas tilté. Je suis beurré, hein. Xavier. Non, c'est Poro. C'est Fiasco qui a commencé. Non, c'est Ico qui a commencé, c'est moi qui continue. Oui, c'est moi qui ai commencé. Et je suis vraiment fatigué. Xavier, il est partout. En fait, ça me fait rire. C'est Xavier, il est partout que j'en peux plus. Xavier. Et partout. La mère accident, c'est ta petite tête parce qu'on est mort. Par contre, Juzo avait l'air de dire que si on fait pas toutes les tombes d'un coup, c'est buggé. Donc j'espère que je vais pas donner 6 fleurs dans le vent. Parce que celle-là, voilà, c'est la première que j'ai fait. Ça, je l'ai fait, je m'en rappelle. Je croyais même que lui allait nous donner une quête, le pépé, là. Donc ça, on a fait. On va filer une boîte à graines à votre pute de ping. Attendez. Je vais suivre le monsieur. Comme ça, vous verrez. Et au moins, on pourra pas dire que je vole ce contenu. PTDR. Du coup, alors, attends. Attends, est-ce que le PP déjà a marché? On va vérifier le PP. Parce que je crois que j'ai pris un coup d'éclair. Ça se trouve, ça m'a cancel le truc. Le PP, il était par là. Le PP. Le PP. Et le PP. Je crois que je vais revérifier sur sa vidéo parce que je ne sais pas où est le PP. Parce que je vous avoue que j'ai tourné en rond ici, je ne sais plus ce que j'ai fait. Il me reste 10 quêtes à Inazuma annexe, mais c'est trouve. Ici. Ok. Ah oui, d'accord. C'est vraiment. Non, c'est là ou c'est pas là? Non, il est où le PP? Il est là, le PP. Ico, j'ai retrouvé le pépé. En branle. Tu peux éviter de faire ça en plein épisode? Merci. Bon, pour autre, tu m'as toujours pas dit comment t'as eu la TP sous l'eau. Donc en fait. Là, une ici, ok. TP sous l'eau. Non, mais. Envoie-moi un ici, là. Vends ton secret. La deuxième. C'est ici. J'ai boumé, quoi. Pardon. Mais en plus, comment t'as fait? T'es une salope. Mais c'est je vais pas spoil sur Attor en fait. On l'a fait en aussi. MP. Ah, mais c'est trop long MP, voilà. Oh, bah on a un vocal sur Snap alors. C'est trop long un vocal sur Snap, faut que je elle a vu bien que j'ai coupé le temps. Comment t'as fait, voilà? Ah,
Oh, putain, Okong. Je ne veux plus jamais parler à Poro de toute ma vie. Et sympathique. Méchante. Méchante, ok. Attends, je vais remettre play parce que je vois pas où c'est. Hop, 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 il va par là. Hop, hop, hop. Vas-y, qui m'a emmené là, je m'en rappelle. Oh, putain, c'est bon, on voit what. Il est en accéléré le Tarba. Non, c'est surtout que j'ai pas envie de remettre 5 fleurs, enfin d'avoir mis 5 fleurs dans le vide quoi, si je me suis fail. Dans le vide, c'est pour quelqu'un qui est défunt. Donc, mais non, mais si ça bug et que tu dois les remettre le lendemain. Là, qui pense pas aux morts, t'es vraiment égoïste. Hein. Mais toi même. Par ensuite, contre. Le 4. STP là. Moi, je vais essayer de trouver tout seul comment on va la TP, vu qu'apparemment mes potes veulent pas m'aider. Ensuite, je l'ai pas fait, Ico. Tu parles de pouvoir, non. Drôle. Non mais go me dire sinon je te gang plus jamais. Ah bah c'est déjà le cas, on me dire. Oui. Ah ça c'est bien quoi. Ouais, je pense que s'il y avait un taux de gankage, t'es celui que je gank le plus. Parce que t'es souvent sur les lines seules et je gank plus les lines seules que le bot. Là c'est fait. Excuse-moi. Arrête. Comment je vais sous l'eau? Il se re-TP là. Sous l'eau. Il passe en face vers la tête du dragon. Mon bateau, mais il est bloqué comme un connard. Il ne faut pas être en bateau, déjà, je peux te le dire. Ah, c'est celle qui est en dessous, je l'ai bien fait celle qui est en dessous, non? Parce que là, je vois qu'il est en train de faire le bousin. Pas le bousin. Bon, j'ai plus le live, hein, s'il y a des commentaires, je reviens dans 2 minutes, hein, le temps de finir ça. Ouais, j'entends le bousin, de pas l'aider. Comment? Ah, je pense que c'est. Ah, j'ai peut-être trouvé. Attends, tu vois. Tu vois, une grande personne que t'es. La vie, si je trouve que tu m'aides même pas, t'es rien de peut-être un truc tout seul, genre tu peux être fier de toi en fait. C'est pas là. Alors, déjà, j'ai trouvé un truc que j'avais pas fait déjà. C'est quoi? C'est pas là. Ah, il faut activer des petits renards. Ah, je sais pas si ce soit ça, mais. Bah, au moins, ça reste quand même un truc que j'ai pas fait dans ce monde. Je l'ai fait, ouais. Give me. Ok, j'ai ouvert un passage, yes. Au moins c'est fait comme ça. On a bien fait de revenir. Bon là il est en train de montrer les trucs, il descend, ok, pendant ce temps là moi je fais ça. Ah donc ça c'était pour un... Bon j'ai fait un truc qui servait pour un Nétroculus, c'est cool mais du coup je m'en prends. Enfin c'est cool mais... Enfin voilà. C'est pareil. Mais du coup si c'est pas ça, c'est quoi en vrai? T'as pas oublié l'énigme. Attends, il faut. TP en haut. Okay. Ah merde, je peux pas venir vers toi, fuck. Vous êtes ensemble? Comment ça pour pas être en bateau? Et ta mère, elle est pas en bateau. Est-ce que Poro. Ah, il m'énerve. Attends, hein? Il se re-TP là. Non, rien, j'ai pas envie de te parler en fait. Putain, ça se trouve, je viens de refaire 5 minutes de vidéo pour rien. Pour eux, c'est par rapport à des ruines. Attends, ça ressemble pas, ça ressemble pas. Ah bah, je pense que j'ai pas accès encore parce que mon électromagnum il est pas assez quoi. Mon électromagnum. Il est niveau combien? Bah, il est pas assez pour entrer dans une zone. Truc. Oui, mais il est niveau combien? Je sais plus, l'eau. Attends, je reviens vers vous. Par contre, je l'ai pas trouvé des mobs, c'est vrai. Call of, t'es sérieux? T'as acheté un jeu à 25 centimes pour avoir un platine? Putain, y'a une quête. Oh non. Bon, mais ça là, je l'ai vu 27 fois, j'ai pas besoin de la prendre. Et du coup, est-ce que c'est pas la quête qui active le truc des dômes d'eau là? Ce qui serait fort intéressant. Plus, un truc que j'avais pas fait, donc pour l'instant, je fais des trucs au. On voit la tombe, donc normalement, c'est la 6ème. Et si ça marche pas, bah je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Oui, Soso, tu as refait 5 minutes de vieux pour rien. Bah écoute, c'était pour le récap. Si Ico veut regarder, il aura juste à regarder les dernières minutes. Ou même, je ferai juste. Non, bah écoutez. J'ai refait toutes les tombes, ça ne marche pas, j'ai pas de succès, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il faut faire une quête avant. En tout cas, je conclue là-dessus. Il y aura peut-être une petite vidéo de 2 minutes exprès rien que pour Ico, ce sera écrit dans le titre, avec un cœur. Et voilà. Je sais pas, je te mettrai un like. Bon, alors il regardera juste cette vidéo, il regardera les 5 dernières minutes, on verra. Bref, oui. Je coupe l'épisode là-dessus, 1h34, le sang de la veine. Je vous fais des bisous, ciao. Des niveaux 5 pour remonter.